Le bar est considéré par les pêcheurs sportifs comme un poisson noble. Il peut peser jusqu'à 10 kg en Atlantique. Le pêcher est un art qui suppose de la technique et du talent. C'est un poisson très méfiant. Ce qui le perd, c'est sa voracité. Quand il est en période de chasse, il oublie sa méfiance et attaque comme un fou. Aux confins de la Bretagne et du pays de la Loire, François Poulard pêche le bar depuis 20 ans avec la même passion que celle de la musique qu'il joue dans sa profession. Nous allons le suivre au cours de plusieurs parties de pêche. Stéphane, un de ses compagnons de pêche, est présent à bord. Avec un rapala 9 cm, noir, et fil 35 centièmes. Le bar se pêche généralement dans les courants, dans l'eau agitée, très oxygénée. En mer, des récifs provoquent des courants à marée montante et descendante. Aujourd'hui, François a choisi la marée descendante pour atteindre en bateau des rochers dont les courants sont souvent fréquentés par le bar. Le courant contraint François à ramener constamment le bateau sur le coup. Ah, ça y est, en plein. Il est pas vilain. L'attaque du bar sur un leurre a quelque chose de très excitant par rapport à une attaque sur un crabe ou une gravette. Au rapala, on lance, on ramène canne basse près de l'eau et très rapidement. En cas d'obstacle, on peut lever la canne et ramener très lentement, ce qui donne au leurre la possibilité de remonter à la surface et d'éviter l'obstacle. Il n'est pas très gros. Il est petit celui-là. Il est trop petit. Là, tu prends la canne, c'est ça? Je vais me relayer un peu. François utilise une canne de 3 mètres, une Carboron et un 670 Mitchell. C'est un matériel léger avec un fil en 35 centièmes. Ah, il n'est pas trop vilain, sûr.
Ramène, 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 ramène. Allez, bon, allez. Lève. Il est noir, dis donc, hein. C'est terrible. Voilà. Les doigts sous les ouïes. Et on décroche. Voilà. C'est vrai, il est pas vilain, celui-là. Si on y en avait que des comme ça, ça serait mieux. Hop. Allez, bah, continue. T'as la main chaude. C'est bon, remonte. Ah, il tire, il fonde, ouais. Oh là là, attention. Enfin, laisse-lui pas de mou, hein. Parce que là, ça décroche. Hein. Après le ferrage, le fil doit rester tendu. Il faut brider le poisson en serrant le frein pour ne pas lui laisser la possibilité de partir dans le courant, sous peine de le perdre. De sortie. Allez. Oh, il est beau. Allez. Allez. Allez, essaye de le ramener. Laisse pas trop de frein. Allez. Merde. Ah, ok. Il s'est foutu le rapat là-dedans. Allez, où ? Dans la roche. Il est important de bien prendre le bar sous les ouïes avec les deux doigts pour éviter que les épines dorsales ne piquent. Leurs blessures s'infectent facilement et sont douloureuses. Ah, ça y est, c'est bon. Pas loin du kilo. Il n'est pas énorme. J'ai l'impression qu'il tire avec le courant, mais... Les barres inférieures à 35 cm doivent être rejetées. Quand il y a de la houle, c'est impressionnant. Hop là, c'est parti. Ouais. Elle est déjà plus grosse. Ouais, là, il tire bien, ça. Je vais resserrer le frein. Là, voilà. Attention les doigts. Dans la précipitation des prises répétées, les gants offrent une bonne protection contre les épines dorsales. Ça revient. Ouais. Marc, ça fait 350 grammes. Eh oui, voilà. Le problème. Le problème du fil. Alors, toujours contrôler avec le doigt. Une fois que ça a frotté un peu la roche, ça y est, ça casse. C'est parti. Il a l'air trop vilain celui-là. Quand les barres sont là, on observe qu'ils mordent pendant une durée de temps limitée, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes.
C'est pourquoi François, pour être plus rapide, n'utilise ni pince ni chiffon pour décrocher le poisson. Il le coince entre ses jambes ou sur sa poitrine et gagne ainsi un temps précieux. Je mets les gaz. Je vais prendre un 6 cm, c'est le même que l'autre qui faisait 9, un plus petit. Comme il y a moins d'eau, moins de risque de s'accrocher. Voilà. À la touche, tout de suite, hein, tu le sens. Merde. Ah, il a décroché. Il a décroché, c'est pas vrai. Ah là 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 là. À décrocher. C'est un petit celui-là. Oh, remarque. Oh ouais. Oh, encore. Oh là 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 là. Laisse. Allez, tiens. Hop là, c'est parti. Ah, il est pas vilain celui-là. Ah, ils sont là. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. T'as vu un peu? Oh, oh là, d'un seul coup, ils ont chac. Il s'est mis à tirer. Terminé. J'ai pas pu le retenir. Ah, dis donc. Ah, il était pas vilain celui-là. Oh, c'est fou ça. Ça fait deux. Qu'est-ce que j'ai fait au bon lieu aujourd'hui? Faut pas ferrer. Il attaque tellement sèchement le leurre sur le côté. Il se ferre de lui-même. Et avec le rapala, il prend les deux triples dans la gueule. Mais ce qui se passe, c'est que par moment, c'est du bout de la gueule et il se décroche parce que la gueule est très fragile. C'est pour ça que j'en ai raté deux tout à l'heure. Bon, est-ce que je vais le rater celui-là ou pas? Non. Ils sont vivaces, hein. Regarde, il est pas gros pourtant. Pas gros, mais regarde comment dire. C'est fou ça, quand même. Tenez, je le mets là. François profite de la marée basse pour faire sa provision de crabe mou, un appât apprécié des bars. On en trouve davantage dans les premières flaques dont l'eau est plus tiède que celle proche de la mer. Il n'est pas rare de débusquer un gros crabe mou dans une toute petite flaque sous un caillou. Voilà. Ça va être un crabe franc. Crabe assez dur. On casse une patte pour voir. Et voilà. Vous voyez, en dessous c'est mou. Donc là, pour pêcher, on aura juste à retirer la coquille, et c'est bon. On appelle un crabe franc un crabe qui va perdre sa coque. Le crabe franc a l'avantage sur le crabe mou de mieux tenir à l'hameçon, même sans l'attacher. De plus, il se garde beaucoup plus longtemps, jusqu'à une semaine, voire 15 jours, avec un bulleur dans l'eau d'un seau. Là, on commence par les premières flaques, qui sont découvertes et c'est celle qui chauffe le plus, parce qu'il faut une eau assez tiède qui puisse muer. On commence par là, et puis après, on continue tranquillement. Et alors, si on aperçoit des coques dans les plaques,
C'est-à-dire qu'ils ont mué, il y a un mou dans les environs. Je vais essayer de voir si je trouve des crabes où il y a qui sont accouplés finalement, il y a un mou ou un franc en dessous. Dès que vous voyez un crabe avec un autre en dessous, c'est obligatoirement un mou ou un franc. On va essayer d'en trouver. La pêche au crabe est laborieuse. Il faut parfois 1 à 2 heures pour en attraper une quinzaine. Quand les crabes sont beaux, on peut les couper en deux avec un couteau, ça fait 2 appâts. Voilà. On peut appuyer dessus, et une carapace, rien. Et là, on peut lécher directement sur l'hameçon. Alors, ça dure, on peut le conserver 2 jours, 3 jours, après il commence à durcir. La prospection sous les algues est souvent gratifiante. Et quand on a la chance d'apercevoir une coque vide, un crabe mou n'est pas loin. C'est un faux mou, ça. Ça fait déjà 2 jours qu'il a retiré sa... Ça fait 2 jours qu'il a retiré sa coquille. Ça, c'est pas très bon pour la pêche parce qu'il ça tient pas. Ça fait un vin un peu plastique. Les crabes se gardent au frais, à la cave ou dans le bas du réfrigérateur. On peut les conserver 15 jours. Là, on va pêcher le bar. C'est pas des... En général, c'est pas des très gros, mais c'est sympa de pêcher au bouchon. Surtout pour la touche, c'est caractéristique. Vous allez voir si on a la chance d'en prendre. On trouve une touche très rapide. Alors voilà donc le type de matériel qu'il faut pour pêcher au bouchon. Une canne de 3 mètres environ, 2 mètres 70, 3 mètres. Un moulinet, un petit moulinet, c'est pas besoin d'avoir un gros. Du fil du 35 centièmes. Et bon, moi j'ai mis un bouchon aujourd'hui là plombé. Je pense que c'est plus pratique quand il y a un petit peu de vague, on s'en mêle moins. J'ai mis une petite chevrotine en bas de ligne pour que le fil soit un peu plus tendu. Et puis, bon, un hameçon numéro 2, numéro 4. Alors voilà, je vais chez mon crabe. Alors, on va le. Comme c'est un petit crabe franc, je vais l'ouvrir. Je commence par là-bas. Je casse les pattes, on n'a pas besoin. Voilà, par derrière. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de bas ou de chaussette bas. Une petite languette. Et je vais entourer. Là, il n'y a pas besoin de faire de nœud. Le bas se tend directement. Voilà. Voilà, montage pour le bouchon. Alors bien tendre le fil, la moindre touche, faut serrer. Un peu plus de
de fond. L'aube. La pêche au bouchon peut se pratiquer partout où il y a une avancée de rochers. On part à marée basse et on pêche quelques heures à la montante. On peut prendre du bar jusqu'à 2 kg dans quelques dizaines de centimètres d'eau à 2 mètres du bord. La touche au bouchon est vraiment caractéristique. Le bouchon file très vite sur le côté, il faut ferrer immédiatement et garder le fil bien tendu. L'endroit où pêche François forme une sorte de couloir, une petite passe. Le courant qui y règne en fait un endroit privilégié. Mais aujourd'hui, le bar n'est pas au rendez-vous et dans la tête de François s'organise déjà la partie de pêche de demain. Elle débutera avant l'aube. Il est 5 heures du matin. François gonfle son bateau. Il lui faut atteindre par la mer une avancée rocheuse transformée en île à marée haute. Il devra impérativement être prêt à pêcher à l'aube sous peine de rater le meilleur moment qui dure à peine plus d'une heure. Quelques instants plus tard, il est arrivé sur le rocher. François va utiliser divers rapalas de 9 cm. À cette pointe rocheuse, un fort courant attire le bar. Mais cet endroit est dangereux. Les vagues tumultueuses oblige à se protéger avec une combinaison néoprène et un blouson imperméable. Les rochers glissants imposent des chaussures à crampons et la nuit nécessite l'utilisation d'une lampe frontale. La mer a suffisamment descendu pour que la pêche soit possible à partir des rochers situés à l'extrême pointe, plus proche des couloirs immergés. Cette proximité réduit les risques d'accrochage. Un bar estimé à 2 ou 3 kilos. François serre le frein et le ramène en force. Plus le combat sera court, moins le fil aura l'occasion de frotter sur la roche. Ah merde ! C'est pas vrai ça. Dans ces conditions difficiles, le poisson garde ses chances. Ah ! Il m'a tout pété. Tout ? Hein ? Ah ouais, il a dû me foutre sur les moules. Ah dis donc, il était beau. Hein. Oh, c'est pas possible ça. Ah, il est parti avec le rapala dans la gueule. François sait que l'endroit est bon. Il reviendra. Pour préparer ses pêches futures, François constitue ses réserves d'appât. Ici, dans ce sol à gravier, ce sont des gravettes qu'il va récupérer.
Il est aussi difficile à trouver que le crabe. Mais c'est un appât efficace qu'on peut aussi se procurer chez les détaillants d'articles de pêche. La gravette peut se conserver jusqu'à un mois dans de l'eau fraîche, oxygénée avec un bulleur et refroidie régulièrement avec un conservateur de froid de congélateur. Ailleurs, c'est le ver de sable qui est recherché. On le trouve facilement en creusant à l'endroit des petits tortillons de sable. Avant de partir à la pêche, François réalise devant nous un montage simple pour la dorade ou pour le bar. Sur le fil du moulinet, il accroche un émerillon avec un nœud classique. Il passe le fil dans l'anneau et fait 5 ou 6 tours. Puis il repasse le fil dans la boucle et tire. Il coupe le fil qui dépasse. Il ajoute un montage composé d'un plomb de 80 grammes, d'un émerillon et d'un cassant 35 centièmes, toujours avec le même nœud. Enfin, il termine son montage avec un bas de ligne en 35 centièmes d'environ 1 mètre, terminé par un hameçon numéro 4. Il reste à enfiler plusieurs vers de sable sur l'hameçon. En cours de pêche, il sera nécessaire de relever la ligne toutes les 4-5 minutes et vérifier l'amorçage car les crabes sont friands des vers. Pour le moment,
François part pêcher le bar à la dérive au lançon. C'est un appât très efficace, utilisé par les pêcheurs professionnels qui sont ses fournisseurs aujourd'hui. La technique originale utilisée ici pour conserver le lançon vivant consiste à l'emprisonner dans un tambour de machine à laver le linge, amarré au bateau et immergé à moitié. La pêche à la dérive se pratique sur cette embouchure à la marée descendante. En attendant, le bateau est amarré pour une pêche de la dorade au fond. François, pour la dorade au fond, emploie une canne de 3,90 m puissante, un solide moulinet, et du fil en 40 centièmes avec un bas de ligne en 35 centièmes. Deux gravettes sont piquées à leur extrémité sur l'hameçon. Sous le pont, coin de pêche réputé par les pêcheurs locaux, des dorades sont sorties de l'eau. Après quelques lancers, François remplace les gravettes par un crabe mou. François a ferré un coup prometteur. Son ferrage a été très sec, très long et très appuyé à cause de la profondeur. C'est une dorade. Sa défense est exceptionnelle, beaucoup plus que celle du bar. C'est un poisson puissant qui part sur le côté, tire vers le fond et offre toujours un combat passionnant. Il faut décrocher la dorade avec beaucoup de précautions.
Sa mâchoire habituée à broyer des moules ne ferait aucun cas pour des doigts sur lesquels elle se refermerait. Maintenant, la mer descend. François a conduit le bateau au départ de la dérive. Il va pêcher au lançon. Il accroche l'appât en passant l'hameçon par les yeux. Pour les autres, la pêche a déjà commencé. La durée de la dérive est très courte à cause de la puissance du courant. Elle laisse aux pêcheurs à peine le temps de sortir un poisson avant de redémarrer le moteur pour de nouveau remonter le courant. La première dérive n'a rien donné pour François. Il remonte le courant et forme avec les autres pêcheurs, entraînés dans cet incessant aller-retour, un étrange balai. La deuxième dérive est plus fructueuse. Toi ? Le montage est composé d'une olive de 30 grammes coulissante, d'un émerillon, d'un bas de ligne en 35 centièmes et d'un hameçon numéro 4. La canne et le moulinet sont les mêmes que ceux utilisés avec un rapala. François dandine légèrement en attendant la touche. Le ferrage se fera sur une touche vive et sèche.
Francis Poulain, qui accompagne François, s'amuse à nourrir les mouettes en vol. Le dernier bar plonge bien involontairement dans le seau à lançon. Aujourd'hui, nous suivons François à la pêche, à la traîne. Avant de commencer la traîne, François ne peut résister à donner quelques coups de ligne au rapala flottant dans une zone à récif. Ici, on voit comment le bar attaque le leurre, sur le côté. Il est piqué par les deux hameçons, un dans la gueule et un sur le côté, généralement dans les ouïes. Maintenant, François nous explique le montage à la traîne. Le montage de la traîne, un rapala, une bavette plastique, 5 brassées, 2... 4 et 5. Alors, un émerillon, le bas de ligne 40 centièmes, celui-ci 50 centièmes, 10 brassées. 1, 2, 3, 4. 9 et 10. Une paravane. Et 50 mètres de cordeau. On traîne à 2 nœuds, 2 nœuds et demi. Tenir compte du fond, prendre des cartes appropriées, ou alors le sondeur, plus classique. Et avec ce genre de montage, l'avantage c'est qu'on n'accroche pas. On a la bavette plastique du rapala qui est flottant. Si ça touche, c'est la paravane qui touche et le leurre est au-dessus. Donc ça passe. Dans les failles, dans les passes. Un petit mouvement de va-et-vient, d'avant en arrière. La touche à la traîne est très sèche. En général, il n'y a pas d'erreur possible.
Il est 6 heures du matin. François, accompagné de Francis, se rend de nouveau à la pointe du rocher qu'il avait pêché l'autre matin. C'est un endroit qu'il fréquente pendant les marées de coefficients entre 70 et 80. Il le connaît bien. À marée basse, il en a repéré tous les couloirs. J'ai pas le coup. Le temps que ça t'arrive là, ça va? Ouais. On monte là-haut? Ouais. La touche d'un bar de 2-3 kilos est très lourde. On a l'impression d'être accroché. C'est seulement quand on commence à tirer dessus qu'on se rend compte qu'une bonne prise est là. C'est alors qu'il faut penser à le ramener le plus rapidement possible avant que le fil ne se soit usé sur la roche ou les moules. L'endroit n'est pas propice à l'utilisation d'une épuisette ou d'une gaffe. Le mieux est de céder de la vague pour le faire échouer sur le rocher, puis de le saisir rapidement avec les doigts dans les ouïes. Aujourd'hui, les barres sont là. Une belle prise.
Un joli bar de près de 3 kilos. Le bar est un poisson très recherché par les pêcheurs en mer, notamment à cause de sa valeur culinaire. La difficulté pour le localiser, son tempérament imprévisible, sa défense impétueuse, impose aux pêcheurs une implacable détermination et des qualités qui dépassent celles d'un bon technicien.